Et boum, nous voilà revenus dans Resident Evil. Jude ne pouvait plus attendre. Elle supportait plus d'attendre. Alors, où en étions-nous? Nous avions trouvé une clé en or qui brille. Coucou Sakura-sama. Ça va? Ça fait longtemps, ma grande. Oh. Oh. Et ça, j'aime bien aussi. Il n'y a pas de mission. Il n'y a que dalle. C'est pas comme dans les jeux d'aujourd'hui nuls, hein, pour les gamins. Tu vois, ou genre, récolter 8 drapeaux. Là, non. Il n'y a pas de mission. Il n'y a rien. Tu te démerdes. T'as voulu jouer aux jeux vidéo? Tiens, amuse-toi, enfoiré. Et oui, ça fait longtemps. Quoi de beau, ma grande? Toujours les dildos sous la douche? Ah, est-ce qu'on peut sortir? Ah non, mieux pas. Ah mais je suis morte, là. Oh merde! Bah dégage! Oh, je suis infecté. Il fait un bruit. Il fait un bruit de singe, le chien. Merde, ça c'est la carte. Oh, ça va, ma vie est toujours normale, tout va bien. Surprise, d'accord. Et du coup, c'est illimité? On change pas les bonnes habitudes. C'est mieux vaut ne pas ouvrir cette porte. C'est... Oui. Putain, alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? J'ai une clé. J'ai une clé. Clé dorée. C'est verrouillé. Là, c'est un casque. Là, il y a une porte. Oh là là, putain. Ah, mais attends. Je suis peut-être con, hein. Peut-être qu'il faudrait juste que j'examine la clé. Rien d'inhabituel, ok. Après, elle est en diamant. Enfin, elle a une forme. Ah, une épée! Ah, ok. Ok, comme quoi. Comme quoi le fait de. Merde. Le fait de réfléchir n'était pas. N'est pas si sous-coté que ça. Ça, c'est pas un scoop. Oh, ça carre. Barry. Oh, Jill. Ah, il est revenu. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. Une porte de derrière. Mais c'est quoi ces allusions, Barry? Ça suffit. See you later. Ciao. Ciao Bella. Ciao Barry, pardon. Séparons-nous. J'ai pas envie qu'on se remette en couple toutes les 5 minutes. Alors si je me souviens bien, la clé épée, c'est à l'étage. Vous avez... Oh, 8000 de QI. On progresse. Il y a un intéressant ici. Il n'y a que des bibelots sans importance et des vases de soissons. Ok. Oh, les pixels. Putain, c'est vrai que c'est le seul truc qui fait bizarre. C'est le personnage qui est en 3D, hyper stylé, hyper lisse, comparativement aux décors qui sont
pixelisé et filtré à mort. C'est verrouillé, l'emblème d'une armure. L'emblème d'une armure. Oui, il y a un livre là. Il est interactible. On peut plus porter d'objets. Mec. J'ai plus d'herbe. Comment je suis... Je suis comment? Je peux déposer des trucs? Je peux même pas les déposer? Du coup, je peux même pas poser un objet pour en prendre un autre? C'est con, ça. Ok, encore un objet à prendre sauf que j'ai plus de place. Faut un coffre. Oh, putain. Et puis en plus je trouve que des objets super intéressants, un sifflet, des pièces d'échecs, des munitions. Ok, ça se cumule, ça va. Un jeu d'échecs en ivoire. La partie s'être terminée sur un échec et mat. Merci les traductions. Vous êtes payé? Vous êtes payé à mal traduire, c'est incroyable. Un briquetto. Oh là là, il y a des milliards d'objets, j'ai pas le coffre, je suis baisé. Ok, où sont les coffres? Oh bonjour! Tiens! Make my day! C'était sans compter sur mes réflexes. Oh putain! Je sais pas viser! One shot. One shot, one kill. Ah non! On ne bouge plus. Montrez-moi votre attestation. Espèce de sale parisien. Hein, tu voulais nous ramener le Covid dans la campagne, c'est ça? Jamais joué au premier... Oui, j'ai jamais joué, c'est la première fois. Je connais rien de ce jeu. Le seul truc que je connais, c'est ce que j'ai pu voir dans les films. Les films, je connais bien. Et dans quelques vidéos, trailers de l'époque. J'ai plus de place. Bon, faut que je trouve un coffre. Et non, bah ouais, je sais... Bah désolé. Ah, une machine à écrire, doit y avoir un coffre ici. Oh, un coffre! Ah bah ça tombe bien. Et non, j'avais jamais fait les jeux vidéo. J'ai fait que le 7 et je l'ai même pas fini. Ah, il y a plein de trucs là-dedans. Comment on fait? Faut glisser, faut...
quoi ça? Ah putain! J'y comprends rien. Ok. Ça du coup je vais foutre ça là tant que j'ai pas de fusil. Et voilà. Je veux dire, c'est normal qu'ils connaissent ça. Ça doit te changer, celui-là, avec les angles de caméra foireux, les persos avec un balai dans le... Oui. Mais c'est pas moche, hein. Franchement, il est beau, quand même. À part le fait que le personnage en lui-même dénote un peu avec le décor, mais sinon, ça passe. Ok, donc là, il y a des milliards de choses. De l'essence. Il reste encore plein de kérosène. Prendre la gourde. Tu retrouveras tes objets dans les autres. Ok, ça marche. De vieilles boîtes et des escabeaux ont été laissés à l'abandon. Oh, ce Bob Ross. Il fout vraiment le bordel dans son manoir. J'ai l'impression qu'il y a un tournevis, là. Il y a une lanterne sur les caisses. Sa lumière chaude vous détend. Oh. Et là, il y a un papier par terre. Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Nous avons de nouvelles informations sur ces créatures. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Nous connaissons actuellement deux méthodes permettant de stopper la résurrection. L'incinération et la destruction des cadavres. Si d'autres... C'est tout ? C'est incroyable ! Vous avez fait beaucoup de recherches. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous en informerons immédiatement. Merci du tuyau. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre... Du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir. Prenez-en. Oh, ils sont sympas, les anciens proprios. Vous aurez besoin de quelque chose pour l'allumer et vous devrez vous le procurer par vous-même. Mais pour ça, on vous a fait des puzzles et des énigmes. Démerdez-vous. C'est pour vous punir d'être rentré chez nous par effraction, enfoiré. On sent que c'est une autre époque du gaming, oui. Alors, j'ai fait Resident Evil 2. J'y ai joué une heure. Que j'ai trouvé génial, vraiment, vraiment top. Il me tarde du coup de le faire, mais avant de le faire réellement, bah, j'ai voulu faire le 1, parce que j'ai la collection sur Steam depuis un petit moment. Ça fait très longtemps que je veux le faire, Resident Evil. Et puis j'ai fait d'autres trucs. Et donc là maintenant, c'était l'occasion de faire Resident Evil. Et je me suis refait Dead Space dernièrement. Je voulais le faire en live et je me suis tellement éclaté sur Dead Space, j'ai trouvé tellement génial que bah, je l'ai fini ce week-end. Je l'ai fait en un week-end. Et ça m'a donné envie de bah, déjà de le faire en live et de faire d'autres jeux, tu vois. Du coup, je me suis réintéressé à Resident Evil, je l'ai retéléchargé, je me suis dit vas-y, je vais faire Resident Evil depuis le temps que je voulais le faire. Et salut Erabs. Bon ben ça c'est très bien, j'ai pas sauvegardé. Ah, remplis la flasque avec le bidon. C'est pas bête ça. Quoi ? Ouais, je suis pas bien... Remplir votre gourde, oui, ok. Vous avez rempli votre gourde de kérosène. Oui, je veux sauvegarder. Ok, mes sauvegardes sont dans le bordel. Ah, par contre, Dead Space, c'est un chef-d'œuvre. Franchement... J'ai failli le faire là cet après-midi là. C'était soit Dead Space soit Resident Evil, mais comme je l'ai fait ce week-end, je me suis dit vas-y, je vais faire un autre truc. En plus, je voulais faire un truc qui me permette aussi un peu de réfléchir malgré le fait que je suis un peu naze aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux quand t'es fatigué.
Alors je vais remonter dans la pièce. Ah ouais, mais parce que j'ai plus qu'une place, donc c'est débile. Faut que je redépose des trucs. Et là, pour le coup, Dead Space, pour moi, c'est... On est sur... C'est un jeu qui est à... Je dirais que c'est du 20 sur 20. C'est un jeu parfait. Il n'y a rien à redire, absolument rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien à redire. Est-ce que je peux prendre ça? Ah, très bien. Est-ce que... Ça, je sais pas si ça va m'être utile tout de suite, donc je vais le foutre là. Et ça, je pense que je vais les déposer. Parce que j'ai pas besoin de me balader avec ça tout le temps. Spray de premier secours. Oh, j'ai des herbes, c'est encore mieux. Dead Space, c'est excellent, oui. Et il me tarde, et du coup, Dead Space, je l'avais fait quand j'étais plus jeune, mais je l'avais jamais terminé. Je m'étais arrêté... En fait, je pensais que je m'étais arrêté pas loin de la fin, et en fait, pas du tout, je m'étais arrêté vraiment... Je m'étais arrêté qu'à la moitié. Et j'ai découvert tellement de choses. Et le jeu est vraiment génial, c'est... L'histoire, le gameplay, les graphismes, c'est le jeu d'acteur, les dialogues, tout quoi, c'est trop bien. Et même la fin est top. Alors retournons dans cette pièce. Et j'aimerais bien faire le 2 du coup maintenant. Ah merde, je peux pas rentrer. Je recharge mon flingue, hop. Oh, Franz Zekun joue à Soundpad. Oh, il est trop mignon. Ok, du coup, je peux prendre ça. Une double plaque en bois. À quoi que ça sert? Rien d'inhabituel. Ok. Bon, du coup, ça doit vous faire marrer de... de me voir jouer comme un gamin de 5 ans sur ce jeu, parce que vous l'avez sûrement retourné dans tous les sens. Alors que moi, je sais rien du tout, là. Un sifflet pour chien. Zombie. Pour chien zombie. A crumpled memo. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse, et il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Moi, je dis rien, je te spoil pas. Je ne peux confier cette mission qu'à vous, Jean-Baptiste Black Devil. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps. En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous la procurer. Nous avons tous deux à y gagner. John Tolman. Merci, John. Je vais prendre un petit canon. Ça pourra me servir si j'ai plus de munitions. Non, je peux pas. Je peux pas ouvrir les tiroirs. Un vieux gramophone. Le disque s'intitule
Jupiter. Waouh. Là, il y a un bouquin. Botanique, de l'usage des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Depuis la nuit des temps, l'humanité soigne ses blessures et ses maladies à l'aide de diverses plantes. Dans cet ouvrage, nous nous intéressons à trois types d'herbes qui poussent dans les montagnes Harclay et nous décrirons sommairement leurs propriétés médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et une vertu thérapeutique particulière. La verte permet de récupérer des forces. La bleue neutralise les toxines naturelles. Utilisée seule, la rouge n'a aucun effet, c'est de la merde. Nous avons cependant découvert qu'en associant de l'herbe rouge et de l'herbe verte, ça fait des chocs à pic. Nous vous communiquerons les résultats des associations de l'herbe rouge et des autres herbes dès nous disposerons de davantage renseignements. Les mecs, mais vous êtes payés! En attendant, n'hésitez pas à essayer divers mélanges par vous-même, car la vraie connaissance est le fruit de l'expérience. Oh les mecs, ils devaient rusher quoi. On n'a pas le temps de te faire des traductions propres. Attends, mec, tout à l'heure, faut que je rentre chez moi. Après, faut que je stream. J'ai pas le temps. C'est un vrai boulot. Prendre briquet. Sur ce briquet sont gravés les mots « Ne joue pas avec le feu. Bisous. Jessica. » Il parle certainement de Jessica de Koh-Lanta. Parce qu'elle n'avait pas réussi à faire le feu sur Koh-Lanta. C'est pas l'envie qui m'en manque de me spoiler. Oh non, faut pas me spoiler. On peut m'aider. Mais faut pas me raconter ce qui va se passer. Mais si vous voyez que je suis bloqué, n'hésitez pas. En tout cas, à me donner des indices. Des livres sur les divers peuples de la Terre, c'est-à-dire les Allemands, les Chinois, enfin tous les peuples, quoi. Les Caucasiens. Bien sûr, ah... En tout cas, je me régale avec ce jeu. Je suis vraiment dans de bonnes conditions. Le son est impeccable. L'image est belle. L'héroïne est belle. Le streamer est beau. Tout va bien. Ok. Donc là, je suis là. Alors apparemment, il y a... Là, c'est l'escalier, ok. Une porte, là, j'avais pas vu ça. Oh, les petits effets de poussière. Oh là là. C'est verrouillé. C'est question de point de vue. Oui. Comme disait Belmando, question de point de vue. Oh putain, c'est parti. Allez, j'ouvre ma pharmacie. Oh merde. Ah mais non, mais par contre, ça va être trop chiant s'il faut faire des milliards d'allers-retours avec le coffre, quoi. Ce sifflet émet des émissions qui ne sont audibles que par les chiens. Vous pouvez donc appeler un chien avec ce sifflet. Merci, Captain Obvious. Ah ouais, non, mais... Oh, faut retourner au coffre, bordel. Oh, je vais adorer ce jeu. Les années 90. Quand les développeurs aimaient de faire chier dans leurs jeux vidéo. Comment ça, attends?
Heureusement que j'ai pris Gilles, hein, parce qu'au moins il y a le. Parce qu'au moins il y a un petit plaisir des yeux dans le personnage que je joue. Ah, je comprends pas. Le briquet, ok. Bon, ça je vais garder du coup. Le sifflet, je pense que je vais garder. Ok. Bon, au pire, je reviendrai. C'est pas grave. Avec cette petite musique à la Zelda. En mode, la musique t'indique que tu es dans un endroit reposant. Tu peux t'y reposer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter dans cette pièce. Ah, est parti. Oui. Oui. Oh putain, une par une quoi. C'est une vraie botaniste. Hein. C'est, oh moi les plantes, c'est une par une, je fais super gaffe. Donc combiné avec ça. Oh j'ai fait le chewing-gum de Mission Impossible. Feu rouge, feu vert. Maintenant, c'est devenu des explosifs. C'est un mélange d'herbes vert et rouge. C'est beau. Alors, c'est même rose. Et on sait pas ce que ça fait, tu te démerdes. Oh, putain, là, une plante, ça prend un emplacement, bordel. Cheminée sans feu. Attends, les mecs, ils ont fait la carte du manoir sur le mur. Et les cassettes. Non, c'est des livres. Alors pourquoi tu m'as dit attends, Marsupio ? Emblème d'un casque. J'ai l'impression qu'on peut les prendre les livres là. La forêt ténébreuse s'étend à perte de vue. Il n'y a apparemment aucune habitation dans les environs. Qu'est-ce que tu avais dans ton inventaire réfléchi ? Quoi ? J'avais une plaque en bois. J'ai le sifflet. Quand j'ai déposé un truc, la plaque en bois, j'aurais pas dû la déposer. Salut Shoemaker. La cheminée sans feu. Ah, le briquet ! Pas fermer la fenêtre là. Non, elle est trop haute. Ok. Salut, Shoemaker. Ok, et donc je suppose qu'il me faut la fiole alors. Parce que je vais pas allumer le feu comme ça avec un briquet. Les allers-retours vont être interminables. J'espère que c'est un peu RPG et qu'on pourra augmenter la taille de son inventaire.
Alors souvenez-vous les amis, je ne sais pas si vous avez joué à ça, mais Alone in the Dark Remake, qui se passe à New York, avait un système d'inventaire très original. Et ça, c'était cool. Tu avais ton inventaire sur toi, et quand tu voulais du coup regarder ton inventaire, en fait, tu ouvrais ta veste. Tu l'as pas fait, lui. Et ben, voilà. Et ça, je pense aussi que c'est un truc que je ferais bien aussi, Alone in the Dark, même si il y a ce passage chiant dans Central Park qui, franchement, était une horrible. En mode Assassin's Creed où tu devais faire des missions nulles. Mais vraiment, ce qui était cool, c'était l'inventaire. En fait, le mec, il ouvre sa veste et l'inventaire, c'était des emplacements dans ton manteau. Donc ça, c'était cool. Ça me titille depuis un sacré bout de temps. Ah, je te le conseille. Fait par des Français, en plus, Alone in the Dark. Et t'as des séquences qui sont vraiment très bien. T'as des séquences en voiture où tu dois esquiver un peu en mode 2012 des tentacules monstrueuses en plein New York, c'est vraiment très cool. La BO est très bonne. Ah, je me souviens plus du tout. Oh, bah là j'ai tout débloqué là. Là j'ai débloqué le. Les lignes du relief rougeoie sous l'intense chaleur. Ok, mais ça m'a servi à quoi? Si vous me le permettez. C'est sorti sur PS4 parce que j'ai que ça pour l'instant. Aucune idée. Je crois que c'était sorti sur Xbox, sur PlayStation, tout ça. Mais c'était plus vieux que la PS4, hein. C'était PS2, PS3, hein. Je crois même que c'était PS2. Je crois que c'était Xbox 360 et PS2. Ou PS3, ouais, voilà. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un truc. Attends. Les lignes du relief rougeoient sous l'intense chaleur. Ah ouais, non mais là, les énigmes dans l'inventaire. Ah, mettre le... ça là. Ah mais là, c'est bon, c'est allumé là. Un petit coup de briquet, bim, sur les bûches, c'est bon. Je vois pas ce que j'oublie. Est-ce que je peux ouvrir là? Non, c'est toujours verrouillé, c'est vrai. Il y a un coussin, il y a des tableaux. Pourrait quoi? Un tisonnier dans le coffre. Il y a un truc que je dois mettre au feu. Que je dois mettre dans le feu. Non mais comment vous avez joué au jeu, vous? Nouvel avatar? Oui, ma poule. Alors, le nouvel avatar, oui, ça fait déjà 2-3 semaines qu'il est actif. Mais oui, c'est un nouvel avatar. V4. Black Devil V4. Afonfion. Et maintenant, attention, accrochez-vous bien. Tirage de langue. Hein? Ça vous impressionne, non? Voilà, il y a des VTubers qui, eux, ils ont tout le corps animé, tout ça. Mais ils n'ont pas la langue.
Eh ben ça, c'est qualité Black Devil. Moi, j'ai pas les bras qui sont traqués sur moi. J'ai pas les jambes qui sont traquées sur moi. J'ai les oreilles, la queue et la langue. Et je suis unique en France. Dans le monde. La langue, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que je peux foutre au feu ? Double plaque en bois. Joyeux bleu. On va briquer, je vais l'emblème. Vas-y, je vais prendre tous les objets potentiels. En tout cas, c'est casse-couille de pas avoir de place dans ce putain d'inventaire. On se calme déjà. Comment ça, Zeniz ? Ça va bien ? Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau sub, bah, je peux tirer la langue 1. Et ça, c'est le futur. Il a moins de place. Quoi ? Quand tu prends le mec, il a moins de place. C'est horrible. J'ai bien fait de prendre la meuf. Attends, j'ai l'impression qu'il y a un truc en dessous du siège, non? C'est la barre du siège. Ok. Je viens de m'abonner. Quoi? Il n'y a pas eu d'alerte? Ou alors j'ai loupé? Vous l'avez vu? Moi j'ai pas vu. Attends. Et l'alerte? Mais l'alerte est active. Il y a pas eu. Ah ouais? Oh. Attends, tout est actif là. Hein Événement récent. Attends, mais t'es sûr? Ah oui, t'as un diamant, ouais. Mais c'est même pas dans les trucs récents. Je ne le vois pas. Dans la liste des événements récents de Streamlabs, y a pas ton sub. C'est quoi cette merde? C'est fou ça. Je peux même pas le rejouer si je voulais. Ben merci en tout cas. Raciste homophobe. Et que tu es noir, Sakara, c'est nouveau ça. Bien, merci en tout cas pour ton sub, Sakara-sama, ton sub imaginaire. Vous aussi, vous pouvez sub dans vos têtes aussi. N'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Et ça sera la promesse de ne pas jouer d'alerte là-dessus. Ok, j'ai fait quoi là? Ok, j'ai mis la plaque dans le feu, c'est bon. J'ai niqué ma plaque. Ah, une carte manoir, ok. Ah, j'ai rien compris. Mais c'est fou, hein, je n'ai pas dans la liste des événements... Ça doit être un peu buggé, peut-être qu'on va l'avoir l'alerte, mais au bout d'un certain temps peut-être.
Attends, je vérifie un truc. Ouais, mais tu vois, en plus, là, le dernier événement, c'est le follow de Warson de ce matin, c'est tout. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. Bizarre. Bref. J'ai la carte 2F. Je sais pas... Ah oui, ok, vert, c'est exploré à 100%, et rouge, c'est inexploré. Ok. Ça, c'est bien. Ça permet de savoir où on en est. Pas d'alerte, pas de tirage en langue, mais si... Sakara. C'est pas génial d'avoir des capteurs. J'ai des capteurs sur la langue, les mecs. Au-dessus de la cheminée a marqué la plaque de bois pour faire apparaître la carte. Ok, j'ai pas fait gaffe en fait. J'ai mis la plaque là-haut. Ok, c'était un peu tiré par les cheveux quand même. Si toutes les énigmes sont comme ça, ça va être chaud, ouais. C'est excellent. Et ouais, Sakara. Mais ça, c'est parce que je... Ben je... Voilà, le Black Devil se donne pour le stream, en fait. Il s'investit. Non mais en plus, je suis censé avoir le tracking des doigts et tout ça et des mains. Grâce à mon nouveau système, mais c'est pas encore au point. J'ai pas eu le temps réellement de pouvoir y bosser comme il faut. Donc ça va venir. Bientôt, je pourrai réellement dabber convenablement. Ok, alors... Où est-ce que nous en sommes? Là, je suppose que je ne peux pas y aller. J'ai le sifflet, et ils avaient dit qu'il fallait que j'aille... Voyons voir mon inventaire. Je vais reposer les conneries là. On va aller voir pour utiliser le sifflet, je pense. Ça, je le redépose. Ça aussi. Et puis, je vais me prendre de la poudre. Ah. Si jamais je suis en manque. Et puis, on va sauvegarder. Ah merde, j'ai pas... Il me faut un ruban. Oh, c'est trop chiant. Faut que j'aille sauvegarder et après que je redépose les rubans. Oh, c'est casse-couille. Et en plus, t'es limité en nombre de sauvegardes. C'est fou, ça. Tu peux pas faire des sauvegardes illimitées dans le jeu. C'est chaud. Salut, Raffaello. Salut, ma poule. Comment s'est passé tes cours? C'était dur, la reprise? Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Et quand on n'a pas de tête et pas de jambes, on a quoi? Quoi? Attends. La poignée de porte va sans doute casser. Ouvrir tout de même? Oui. Pourquoi elle se casserait? Ça va un peu. Ah, bah si, c'est très bien déjà. On n'a rien, voilà, exactement. Et non, mauvaise réponse, Raffaello. Il nous reste des bras. Quand on n'a pas de tête ni de jambes, eh ben t'as des bras. Donc tu fermes ta gueule et tu te démerdes. On n'a pas de chocolat. Ah, je sens que
Il y a un concert pas loin. Un concert de métal. Merde. Ah putain, mais... Système de visée de mec. Ah ça y est, j'ai encore un point de côté. Fais chier, bordel. J'ai l'impression de courir un marathon à chaque fois que j'affronte un zombie. Ah là là, j'ai mon appendicite qui me relance encore. L'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de porte. L'emblème d'une armure. Attends, je suis où là? Ok, je suis là. Et là, c'est pour sortir. T'as l'appendicite du mauvais côté. Je prends mon goûter, j'arrive, ça marche, Raphaël. Ah, mais y a de l'herbe là. Putain, mais je suis jamais allé là. Ah, c'est marrant, les décors sont plus jolis. Oh, un chérubin. Oh merde. Ah, oh, mais ça suffit. Putain, elle tire une balle toutes les deux secondes. Oh mec. Oh mais je suis foutu là. Mais fais quelque chose. Rêve mouillé. Oh, you are dead. Et voilà. Bon, ben le jeu m'a eu. Le jeu est plus fort que moi. Après, ça partait mal. J'avais un poil de côté avant d'affronter le chien. C'était trop dur. Les amis. Les amis, c'est l'heure du duel.